pourquoi est-ce que je me sens si bizarre? Hé, cerveau, comment t'appelles cette sensation de chute? Sensation de chute? C'est ce que je viens de dire. Et c'est bien comme ça qu'on l'appelle. Oh... Vous pensez que c'est le bon moment de bavarder? Vous êtes tous sur le point de mourir. Oh, quoi? Ok, cerveau, évalue la situation. T'es pas mon chef. Mais ok, utilisons nos yeux et nos sens et... Ok, on va tous mourir. On dirait que notre humain vient de sauter d'un avion avec un sac à dos au lieu d'un parachute. Ah, il a oublié le parachute, sérieusement? Notre humain est tellement bête! Je ne veux pas mourir! Docteur, que devons-nous faire? Survivez! Bye bye! Ok, il est allé trop loin cette fois-ci. On est censé faire quelque chose? Nous devrions pouvoir augmenter nos chances de survie si nous faisons preuve d'intelligence. Intelligent comment? Nous sommes sur le point de devenir un pancake humain. On peut peut-être viser un lac ou la mer. L'eau devrait pouvoir... L'eau de cette hauteur est comme un mur de briques. De plus, même si on survit, nous serons extrêmement blessés et probablement noyés. Oui, c'est vrai. Ce serait une meilleure idée d'atterrir sur la Terre. De préférence une surface molle ou un endroit qui peut ralentir notre impact. Comme un tas de feuilles? Ou des arbres? Ou de la neige? Oui, ce sont des options valides. Ok, mes yeux me montrent une forêt à proximité. Je vais donc la viser. Je vais aussi ouvrir nos bras et nos jambes, ce qui devrait nous ralentir. Ok, je crois que ça va un peu mieux. Ça va quand même faire mal. Oh oui, sans doute. Et quand on va toucher le sol, est-ce qu'on doit se mettre en boule ou... Non, avant l'impact, nous devons couvrir notre tête avec nos bras et préparer nos jambes à absorber l'impact. Quoi qu'il arrive, nous devons protéger la tête et les organes si nous voulons avoir une petite chance de survie. Donc, comme un chat? Plutôt comme un gros poulet sans plumes. Ok, c'est parti. Préparez-vous. Attends. Est-ce qu'on a survécu? De justesse. Mais ça fait tellement mal. Et nos jambes ressemblent à des nouilles. Nous avons besoin de plusieurs années de récupération. Et même là, nous ne pourrons peut-être jamais... Hé hey, vous êtes comme neuf. Vous vous en êtes très bien sortis. Bravo. Si seulement la médecine était si simple. Oh, mec. Et abonne-toi.